Le premier livre des Chroniques, chapitre 18. Après cela, David battit les Philistins et les humilia, car il enleva de la main des Philistins Gath et les villes de son ressort. Il battit les Moabites, et les Moabites furent assujettis à David et lui payèrent un tribut. David battit Hadarézer, roi de Soba, vers Hamath, lorsqu'il alla établir sa domination sur le fleuve de l'Euphrate. David lui prit 1000 chars, 7000 cavaliers et 20 000 hommes de pied. Il coupa les jarrets à tous les chevaux de trait et ne conserva que 100 attelages. Les Syriens de Damas vinrent au secours d'Hadarézer, roi de Tsoba, et David battit 22 000 Syriens. David mit des garnisons dans la Syrie de Damas. Et les Syriens furent assujettis à David et lui payèrent un tribut. L'Éternel protégeait David partout où il allait. Et David prit les boucliers d'or qu'avaient les serviteurs d'Hadarézer et les apporta à Jérusalem. David prit encore une grande quantité d'airain à Tibkat et à Kun, ville d'Hadarézer. Salomon en fit la mer d'airain, les colonnes et les ustensiles d'airain. Tohu, roi de Hamath, apprit que David avait battu toute l'armée d'Hadarézer, roi de Tsoba, et il envoya Adoram, son fils, vers le roi David, pour le saluer et pour le féliciter d'avoir attaqué Hadarézer et de l'avoir battu, car Tohu était en guerre avec Hadarézer. Il envoya aussi toutes sortes de vases d'or, d'argent et d'airain. Le roi David les consacra à l'Éternel, avec l'argent et l'or qu'il avait pris sur toutes les nations, sur Édom, sur Moab, sur les fils d'Ammon, sur les Philistins et sur Amalek. Abiscaï, fils de Tseruja, bâtit dans la vallée du sel 18 000 Édomites. Il mit des garnisons dans Édom, et tout Édom fut assujetti à David. L'Éternel protégeait David partout où il allait. David régna sur tout Israël et il faisait droit et justice à tout son peuple. Joab, fils de Tseruja, commandait l'armée. Josaphat, fils d'Akilud, était archiviste. Tsadok, fils d'Akitub, Abimelech, fils d'Abiatar, était sacrificateur. Shafshka était secrétaire. Benaja, fils de Jéhojada, était chef des Kérétiens et des Pélétiens, et les fils de David étaient les premiers auprès du roi.